Depuis plusieurs années, des étés secs et trop chauds avaient provoqué la chute précoce des feuillages, rendant ainsi la nature austère au premier jour de l'automne. Mes deux dernières vidéos sur le sujet en montrent la véracité. Pas de chance cette année, ces images ont été filmées le 22 octobre 2020. En réalité, cela ne devait être qu'un simple repérage, une faible pluie étant annoncée ce jour-là. Malheureusement, il a fallu que je parte en urgence le soir même. On m'annonçait un risque de cambriolage à mon domicile, raison pour laquelle ces images ne sont pas ce qu'elles auraient dû être. Par contre, ces paysages, où le hêtre domine par ses innombrables teintes, où les variantes de jaune orangé se mélangent à l'infini, donnant au paysage une véritable image de carte postale automnale. Nous descendons actuellement la route forestière des Coulmes entre le col du Mont-Noir et la station de ski nordique et alpin du col de Romeyères, située sur la commune de Rancurel. Cet itinéraire est transformé l'hiver en piste de ski de fond, où s'écartent de nombreuses pistes secondaires, un vrai paradis pour les fondeurs. Hors saison hivernale, ce sont les randonneurs qui prennent possession des lieux. Il faut savoir que nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres du GR9, itinéraire majeur traversant le Vercors. Le gîte et le couvert y sont assurés par un hôtel et des services divers installés au sommet du col. Calme et sérénité y sont assurés.